Allô tout le monde, on se retrouve après une petite semaine. La dernière fois qu'on s'est vu. Oh, regardez comment il est rendu petit, son suçon. On est un lendemain d'Halloween. Puis les enfants mangent des bonbons. Moi j'ai mon chandail de Noël complètement assumé. On a une grosse tempête de neige. Puis j'ai décidé de vous faire une prochaine vidéo sur les réactions de mon entourage par rapport à la nouvelle qu'on attendait d'un bébé. Parce que je vous dirais que c'est tout à fait différent. C'est comme une autre classe à part d'annoncer ça à son entourage. Je suis vraiment... Vous allez voir dans les prochains mois, là, je pense que je vais le faire repousser pendant que je suis enceinte. Je sais que je vais enfler de la face. Puis que je trouve pas ça beau quand que je suis pas toute slim, toute... à mon goût. Fait que je vais le faire repousser. Fait que ça va faire dur mon affaire. Puis là, je suis pochée. Mais vous m'aimez quand même. Sinon, tant pis pour vous. Je bois de l'eau. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé comment mon chum a réagi, blablabla. Fait que j'ai décidé que j'allais faire une vidéo juste pour ça. Alors, je tiens à spécifier que pour nous, c'est vraiment une belle nouvelle. C'est une grosse nouvelle, une genre de « oh my god, what the fuck » nouvelle, mais une belle nouvelle en soi. Attends, ça un petit peu. Alors, on va y aller. Comme en ordre chronologique. Moi, je suis assise, je suis à moitié couchée, elle me dit ça que j'en ai deux, puis là, tout le long, je suis comme, oh mon Dieu, je suis seule, tu sais, fait que j'arrête pas, tu sais, là, je me souviens, je la regarde. Là, je sais plus à quel point je répète, là, mais c'est pas grave, je répéterai pas tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit des choses, là, mais en tout cas, arrêtez de parler de mon répétage. Je regarde le médecin, je regarde l'écran, puis là, j'arrêtais pas de dire. Oh mon Dieu, je rêve pas là. Elle dit non, non, tu rêves pas. Puis là, tu sais, elle m'a imprimé plein de photos, puis tout ça. Fait que j'arrêtais pas de penser à comment j'allais dire ça à mon chum. Ça, comme vous savez, mon chum, il était pas là. Il était parti pendant un mois. Fait que. Tu sais, là, je sors de là, puis moi, je suis vraiment comme holy shit. Oh my god. Puis là, je suis comme. Mon Dieu. Puis là, tu sais. La médecin, elle, tu sais, c'est comme une belle nouvelle, c'est un peu spécial, mais tu sais, c'est pas comme... Fait que là, elle me sort des papiers, puis là, elle va voir, elle cherche un papier en particulier. Là, elle va voir une autre infirmière, elle dit, tu sais, pour les grossesses multiples, là, tu sais, telle affaire, tel papier. Ah, oh, attends, tu peux, je sais pas, là, une autre madame, puis là, ils sont les trois. Ah, oh, OK, pour une grossesse multiple, puis je suis comme... Genre, moi, c'est comme, vous répétez ça à chaque fois, puis je suis comme... Puis vous autres, c'est comme... Ouais, ouais, tu sais, puis là, je suis à l'hôpital, puis j'ai juste envie de le crier à tout le monde, faire comme, mon Dieu, j'en ai deux! Fait que je le fais, je l'ai pas fait, évidemment. Là, aussitôt que j'ai pu, j'ai appelé mon chum. Puis lui, il était sur son heure de dîner au travail, dans la salle de repas, là, finalement, dans la salle de break. Fait que là, il était comme en nom, tu sais, il savait que j'avais mon écho. Puis il disait, bon, que si je l'appelais, c'est parce qu'il y avait quelque chose, t'sais. Fait que là, il répond. J'ai dit, je sors de mon écho. Qu'est-ce que je pourrais te dire qui te mettrait le plus sur le cul? Puis là, j'ai même pas pensé à ça, t'sais. Il me dit, ben, que tu l'as perdu? Je suis comme, non, pas ça. Il est comme, quoi? Le. Ça, j'étais ma gueule. Ben, voilà, j'étais dans la poubelle. Je dis, qu'est-ce que tu dirais qu'on en ait cinq? Ben, il est comme, cinq? Je dis, il y en a deux. Puis là, il part à rire. Puis mon chum, il a quand même une bonne voix. Puis un bon rire. Puis là, il rit, là, mais tu sais, comme, rit, là, de. Après moi, c'était un rire, les yeux pleins d'eau, là. Ha, ha, ha. Puis genre, comme il était plus capable d'arrêter de rire, il était vraiment content. Puis je pense que, comme tout le monde l'a su à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose. Puis là, ben, il était comme, oh my god, t'es sérieuse, tu sais. Puis là, il y en a deux. Fait que là, j'y explique quand. Je suis comme, ouais, puis là, tu sais, je suis là, puis là, je marchais dans l'hôpital, là. Puis, tu sais, genre, clairement, j'avais de l'expression parce que j'ai vu des gens qui étaient comme, tu sais, comme. Puis là, je suis comme, ouais, il y en a deux, puis là, ils sont séparés, puis là, j'expliquais. Fait qu'ils étaient comme, bon, ben, tu sais, félicitations, chérie, puis comme, vraiment, une grosse nouvelle, tu sais. Puis, fait que la réaction de mon chum, très bonne, très surpris, évidemment. Très content, là. C'était juste du bonheur. C'est super cool. Mais là, c'est le genre d'affaire. Moi, je vois des vidéos de monde qui annoncent ça à la naissance, tu sais, qui n'ont pas dit à personne qu'il y en avait deux. Je suis comme. Hey, j'ai pas toffé deux minutes, là. Tu sais. J'ai peigné mon cheval. Oui, c'est bon.
Genre, je suis partie après ça, puis j'étais comme, ma mère a gardé les enfants. Puis j'étais comme, mon Dieu, faut que je le crie, c'est toi. Mais il fallait que j'aille acheter des mitaines, on avait une activité, blablabla, il fallait que j'aille acheter des mitaines aux enfants. Fait que, en m'en allant au magasin, je croise le cousin à mon chum de qui on est très proche. Mais tu sais, comme vraiment là, sur un coin de rue, là, il était avec mon neveu, puis comme, ça va le porter à l'école, puis vraiment là, sur un coin comme achalandé, puis là, je me stationne, je baisse ma fenêtre, puis je dis, j'en attends deux, puis j'y vois à la face, puis là, je pars, tu sais. J'imagine le scénario, tu sais, qui compte ça à sa blonde, ouais, elle est arrêtée sur le bord du chemin, elle m'a dit qu'elle attendait des jumeaux, puis elle est partie, tu sais, ça a l'air délusionnel. Puis ce que j'ai su par après, c'est que quand j'ai dit ça, la première affaire que le petit a dit, c'est moi qui le dis à maman. Puis il était comme non, parce que lui, ça a retourné à la maison après, il a pas pu le dire de l'après-midi. Fait que c'est ça, là, je m'en vais au magasin. C'est juste comme farfelu parce que genre, j'étais pressée, ma mère, il fallait qu'elle parte vite, puis genre, j'avais vraiment besoin de gants et de mitaines pour toute la gang. Puis là, j'étais pas en mode de checkage de prix, là, fait que ça m'a coûté 180$ de gants pour 4 paires de gants. Puis genre, j'étais juste comme. J'avais juste le goût de le dire à madame, comme madame, j'attends des jumeaux. Numéro 4, numéro 5. Fait que j'étais vraiment excitée. Je rentre chez nous. Puis là, ma mère, je sais plus trop comment est-ce que j'ai dit ça. Mais là, elle dit, tu sais, pis comment ça a été, nanana. Puis là, j'y monte l'écho. Puis là, elle fait. J'ai dit, genre, je pense, compte-les ou quelque chose du genre. Puis elle fait, y en a-tu deux? Je dis, oui. Comme, t'es-tu sérieuse? Je dis, oui, oui. Oh non, mais tu sais, elle dit ça. Comme avec un sourire, pas, oh non, mais comme, oh non, tu sais. Je pense qu'elle voyait dans ma face que c'était une bonne nouvelle. Fait qu'elle était comme, mon Dieu, t'es éclatée. C'est comme, je me souviens plus comme la réaction, mais tu sais, c'est tellement. Puis là, je voulais. Elle m'a imprimé plein de photos pour les enfants, puis tout. Fait que là, j'essayais de découper, puis là, je sais que j'essayais de découper une photo. Fait que là, c'était vraiment drôle. J'ai dit ça aux enfants, puis Viviane était comme. Mais c'est la première fois, maman, que je vais avoir des jumeaux comme frère et sœur. J'étais comme, ouais, ma cocotte, ça arrive pas à tout le monde dans la vie non plus. Puis ça va être la dernière fois aussi. Puis là, le pire dans tout ça, c'est que là, ma mère était pressée parce qu'elle avait rendez-vous pour ses cheveux. Parce que c'est avec ma belle-mère, parce que ma belle-mère est coiffeuse. Puis c'est elle qui fait les cheveux à ma mère. Fait que là, t'es comme, oh, je peux-tu lui dire? Je suis comme, non, je suis désolée, maman, mais il va falloir que tu gardes ça pour toi. Tu as un rendez-vous de genre 3 heures de temps. Fait qu'elle était comme, oh non! Tu sais, tu peux pas le dire. Puis, tu sais, on s'entend qu'on est comme un sujet de conversation assez. Qui revient, là, dans leur contexte de jasage. Puis là, sauf que là, finalement, mon chum, ben, lui aussi, il fallait qu'il le dise à tout le monde. Lui, il y avait un de ses amis avec qui il travaillait. Pour lui, c'était comme la fin du monde. Il était comme, oh my god, ça serait tellement pas une bonne nouvelle chez nous. Ça serait. Tu sais, il comprenait pas comment est-ce que mon chum était content. Mais nous autres, on était très contents. Fait que là, ce que je vous compte, là, ça se passe en parallèle. Parce que ma mère a part. Quel bonbon? Est-ce que c'est un bonbon qui se trotte bien? Non. On veut un autre suçon? OK. Ben, c'est mon suçon. Ah, ben, garde, je vais y donner, mais je vais t'en donner un des siens tantôt. Okay? Quand je vais me le jouer. Là, en parallèle à tout ça, mon chum, c'est ça, il l'annonce à ses collègues de travail, puis tatata. Mais là, c'est sûr, c'est le genre de nouvelle que genre, faut que tu le dises à tout le monde. En tout cas, moi, c'était ça, il fallait que je le dise au plus de monde possible. J'avais comme pas assez de bouche puis assez de doigts pour l'écrire puis le dire à assez de monde en même temps. Fait que mon chum, il a appelé sa mère au travail. Puis là, tu sais, le salon était plein. C'est un jeudi, début d'après-midi. Le salon de coiffeur, il était plein. Fait que là, je sais plus trop comment ce qu'il a dit ça. C'est genre à mon chum de dire, ouais, tu sais, Daniel, elle sort de son écho. Puis finalement, on n'aura pas un bébé. Puis là, ma belle-mère est très émotive. Puis il dit, finalement, on va en avoir deux. Fait que là, mais tu sais, comme j'ai eu du feedback de ma belle-mère, mais aussi comme j'avais une fille que je connais qui était là aussi, qui a comme fait le lien par après que c'était ma belle-mère. Ou c'est que, tu sais, là, supposé que là, que ma belle-mère, elle pleurait. Fait que là, tout le monde, plus personne parlait. Il était comme, elle pleure-tu de joie ou de tristesse? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça a comme pris un bout de temps avant que tout le monde catch qu'elle pleure de joie. Puis là, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde sait que je suis enceinte, là, tu sais, puis que, tu sais,
c'est beau, mais comme... Tu sais, ça a l'air que c'était comme... Puis là, il y a comme quelqu'un qui le catch. Il y a des jumeaux. C'est une amie à elle qui se connaissent depuis genre 20 ans. En fait, je suis sûre qu'il y a des jumeaux. Puis là, ça a comme donné que ma mère, elle est arrivée sur la fin de l'appel. Fait que là, ils ont pu en parler toute l'après-midi. Fait que ça a fait vraiment un gros émoi. J'en ai entendu parler de plusieurs personnes qui étaient au salon à ce moment-là, qui est comme... Tu sais... Ça a vraiment créé un chamboulement pour tout le monde. Fait que ça, c'est très drôle. Là, après ça, moi, j'avais une activité. Fait que je l'ai dit à tout le monde là-bas, puis j'étais vraiment comme... Mon Dieu! Tu sais, puis là, je fais tout ce que je faisais, puis encore aujourd'hui, tout ce que je fais, je l'imagine le faire avec deux coquilles. Puis je suis comme, oh my God! Mais là, tu sais, j'envoie un message... à ma belle-sœur. En fait, tout le monde, j'envoyais... Tout le monde à qui je suis proche, j'envoyais la photo. Puis là, s'il disait rien, je te laisse compter. Puis là, ma belle-sœur de qui je suis très proche, une de mes deux belles-sœurs, puis je suis très proche d'une de mes belles-sœurs, mais elle, est comme, non, là, après ton activité, il faut que tu viennes chez nous, là. C'est comme... Et comme, je te crois pas, là. Tu sais, le trois quarts du monde, t'es comme, non, tu me laisses, mais là, on voit mon nom sur la photo. Fait que là, trois quarts du monde... Non, c'est une joke, là. Fait que là, je vous dis, ça l'a créé un émoi, ben, pas épouvantable, mais comme incroyable, parce que là, hey, le soir, là, j'avais mon messenger, là, j'ai écouté des émissions, mais comme j'ai pas écouté mes émissions, parce que je faisais juste répondre, puis là, le monde avait des questions, puis là, c'était vraiment comme, oh shit, là, tu sais, comme, ah, j'en reviens comme pas, tu sais, comme t'annonces ta grossesse, le monde est content, mais annonce que t'as des jumeaux, c'est vraiment un autre game, là, vraiment. Fait que la réaction en général était très bonne. Il y a des gens que eux, c'était plus... Eux, il y avait... Tout le monde était content pour nous, parce qu'on était content pour nous. C'est ça que je dis, c'était une bonne nouvelle. Fait que tout le monde était content pour nous. Il y en a plusieurs que c'est comme, oh mon Dieu, tu sais, si ça arrivait dans ma famille, ça serait pas une bonne nouvelle, là. Mais nous autres, c'est une très bonne nouvelle. Il y a mon père qui était à la chasse. Que... Il y avait... Il n'y avait pas vraiment de réseau, mais il y avait... En tout cas, tu sais, il était à la chasse. Là. Si vous ne connaissez pas la chasse à l'orignal, tu es dans une tour, puis genre, tu bouges pas. Puis comme tu fais rien, parce que faut pas que tu te laves, faut pas que tu bouges, faut pas que tu... Tu sais, faut pas que tu ailles de couleur, parce que les outardes, les oignons voient pas les couleurs, mais les outardes les voient, fait que c'est une couleur, ben les outardes vont s'en aller, fait que les autres animaux savent que... Puis là... Mon père, il était sur Facebook, je voyais comme 7h30 qu'il likait des affaires puis il shareait des choses sur Facebook. Fait que là, j'ai envoyé un message, j'ai dit « Papa, je peux-tu t'appeler? » Il est comme « Ben là, je suis dans ma watch, dans sa tour. » Il dit « C'est-tu important? » Fait que là, je suis comme « Ben comme, c'est pas important, mais c'est pas important, là. T'sais, c'est pas, il est pas obligé de le savoir maintenant, mais en même temps, je voulais le dire. » Fait que là, il m'appelle. Puis là, j'ai dit ça, puis il parle comme « Hein? T'es-tu sérieuse? Hein? Hey, mais je suis vraiment content! » Puis là, tu sais, c'était vraiment une belle nouvelle. Fait que tout ça pour dire que chez nous, ça a vraiment été vraiment une bonne nouvelle. Je l'ai annoncé sur Facebook de manière un petit peu... Tu sais, une fois que tout le monde, là, le plus proche de moi, l'a su, il fallait que je l'annonce sur Facebook, là. C'était le genre d'affaire que... Puis surtout que j'avais fait mon annonce, tu sais, comme avec mes amis, un peu subtil, genre j'ai écrit c'est quoi, j'ai écrit genre c'est quoi l'expression c'est jamais 304, fait que là il y a du monde qui ont catché, puis là ben comme pendant comme une bonne semaine après comme là t'es-tu enceinte, c'est quoi cette histoire là, parce que j'ai jamais confirmé que c'était ça, fait que là j'ai commencé comme ouais jamais 304 c'est ça que ça voulait dire, fait que t'sais voilà, t'sais notre famille ça grandit, puis pour ceux qui veulent une nouvelle du bébé là dans la suite, fait que je pense qu'il y a du monde qui ne savent pas encore, parce que j'ai écrit ça long, puis j'ai vraiment annoncé à la fin. Fait que là, c'est ça qui est ça pour les annonçages. Il y a mon beau-père, que lui est Abby James, que lui, là, tu sais, plus qu'il y a de bébé, plus qu'il est heureux, fait qu'il était bien content. Fait que là, ho, 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 je fais ho, 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 parce qu'il rit comme ça. Il était très content. Il y a mon autre beau-père, que je ne sais pas comment est-ce qu'il a réagi, j'étais pas là. Mais je sais que ma mère aussi, tu sais, ça a vraiment fait... Je pense que tout le monde a besoin de l'annoncer à tout le monde. Tu sais, ma belle-sœur, justement, ne fait pas le dire à ma belle-mère, elle l'a dit à sa mère. Genre, sa mère l'a su avant ma belle-mère, probablement.
Tu sais, je sais que ça, comme, ça, ça crée vraiment un nombre de chocs incroyables, positifs dans notre cas. C'est que tout le monde est comme, voyons donc, tu sais, surtout bébé 4 et 5. Ça nous fait revoir nos plans. fait que c'est ça. J'espère que. Dites-moi donc, qu'est-ce que. Si vous avez eu des jumeaux, si ça ressemblait à ça. Puis je vais terminer ça là, parce que là, c'est assez jasage. Hein. Vous me connaissez, je pourrais jaser pendant des heures. Puis je vais pas me mettre à faire des parenthèses, parce que je veux faire un bump tête. Après ça. Fait que. Je vais souffler. Je fais mon cardio, hein. Puis tout à l'heure, je vous parle. Fait que. Dites-moi si vous avez eu des jumeaux, je veux savoir si ça s'est passé comme ça. Je veux aussi, si vous avez des questions, posez-moi-les, parce que je peux bien faire une FAQ. Puis, salut mon bébé! Ouais! C'est bon, hein? Puis, aussi, si vous êtes jumeaux, si vous êtes parents de jumeaux, si vous avez des tips à me donner, des conseils, parce que j'ai jamais été parent de jumeaux. On me parle beaucoup de l'individualité de chacun, fait que... Puis là, je lis énormément. Mais si vous avez des petites choses à me dire, gênez-vous pas. On se revoit plus tard, pas dans pas très longtemps, parce que c'est ça. Comme je dis, je vais faire un bump date. Fait que, bye!